Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Greg, Michael Mittelstadt, passe du temps avec Naël avant son départ à Tokyo. Il se montre bouleversant et Jasmine écoute la conversation en larmes. Avant son départ, un miracle se produit puisque son fils fait ses premiers pas. De son côté, Elliot a passé la nuit au marais tandis qu'Hortense le réconforte. Il confie être soulagé de sa rupture avec Greg et estime que leur histoire était vouée à l'échec. Hortense est sur le point de lui dire la vérité, mais finit par renoncer car Elliot semble être passé à autre chose. À l'institut, Greg adresse un dernier au revoir à Jasmine, Naël et Mehdi. Il prend ensuite Rose, Vanessa de Mouilly, dans ses bras et la remercie pour ce qu'elle a fait concernant sa mère. Olivia Listrac le prend également dans les bras. Avant de partir, il demande à Jude de prendre soin d'Eliot et lui donne sa bénédiction en cas d'éventuelle relation. Jude promet de ne pas en profiter. Elliot apprend la vérité sur Greg dans Ici tout commence sur TF1 alors que Lionel accompagne Greg à l'aéroport, Jude, Galade Quenouillère, rentre à la coloc. Elliot, Nicolas Anselmo, propose de mettre de la musique aux années en étant sur son portable, il tombe sur des photos de lui et Greg dans son téléphone. Il craque et affirme qu'il l'aime toujours. Face à sa tristesse, Jude et Hortense lui dévoilent la vérité. Ils avouent que Greg avait peur qu'Eliot renonce à son diplôme et à son projet de restaurant nomade. Hortense, Catherine Davidzeka, évoque également la demande en mariage. Jude reconnaît que Greg s'est volontairement emporté la veille contre lui et avoue que c'était une mise en scène. Elliot s'en veut et décide de foncer à l'aéroport avec Hortense. Une fois là-bas, l'avion de Greg est en cours d'embarquement. Il tombe sur Lionel, Lucien Belvès. Ce dernier a un plan pour sauver la dernière confrontation entre Elliot et Greg. Greg accepte la demande en mariage d'Elliot avant son départ. Lionel et Hortense se font passer pour un couple et se disputent devant la sécurité. Cette diversion permet à Elliot de foncer en salle d'embarquement. Greg est choqué de le voir et refuse que son compagnon le suive à Tokyo. Il ne veut pas qu'il refuse sa carrière pour lui. Elliot évoque sa demande en mariage et avoue qu'il aurait accepté. Puis, il demande à Greg de voir la bague. Elliot prend la bague et met un genou à terre. Il fait une déclaration à Greg et le demande en mariage. Elliot a compris que Greg ne veuille pas qu'il aille à Tokyo. De ce fait, il promet d'avoir son diplôme, de gérer le restaurant nomade et de l'attendre pendant un an avant son retour. Greg accepte sa demande en mariage. Elliot lui passe la bague au doigt et le couple s'embrasse une dernière fois. Une hôtesse demande ce que Greg compte faire car l'avion va décoller. Elliot répond que son fiancé embarque. Il sourit en voyant Greg partir pour Tokyo. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.